Guillaume Janton, désormais fidèle chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste mais aussi aux commandes de sa propre émission de radio, tous les matins sur Virgin Radio, a accordé à Pure People une interview. L'occasion notamment de donner de nouveaux indices sur une ancienne compagne, célèbre, et proche de Cyril Hanouna. Quelques jours auparavant, il avait en effet révélé dans TPMP avoir été en couple avec une fille qui était animatrice il y a quelques années, que vous connaissez, en s'adressant à son patron. Mais cet entretien avec Pure People n'a pas été seulement l'occasion de parler de ses anciennes conquêtes, d'autant plus que comme confié par Guillaume Janton, il n'aime pas se vanter de ses idylles et trouve cela déplacé. Celui qui a également connu une romance avec une autre ancienne candidate de Secret Story, Cindy Lopez, a parlé de ses premiers pas à Rennes dans une radio, où il a pu interviewer de nombreux noms du rap, et s'est livré à l'interview VNR. L'occasion pour l'animateur et producteur de révéler ce qui l'énerve, et notamment l'homophobie à laquelle il est souvent confronté sur les réseaux sociaux. Je serais très content de l'être à la question est-ce que les rumeurs sur sa vie sexuelle le VNR, Guillaume Janton a répondu, ça me vénère pas du tout, je m'en fiche complètement. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Après ce qui me choque, si est-il que je suis confronté à ce que peuvent subir les homosexuels en termes d'homophobie, fait savoir le chroniqueur de Touche pas à mon poste. Et si est-il honteux? Moi qu'on pense que je suis gay je m'en fous complètement et je serais très content de l'être. Mais si est-il juste cette homophobie sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram, si est-il possible? Faut arrêter. Au cours de cet entretien, Guillaume Janton évoque aussi les critiques sur son poids qui l'ont beaucoup blessé. Propos recueillis par Harry Wardiola. Toute reproduction interdite sans la mention de Pure People. Comme.